Third talk, which is Christine Evans, who will give her talk in French. The title is Le cent cinquantenaire de la Révolution française, prélude au débat sur le la débâcle. Now, Christine Evans is presently a division chair of humanities at Lesley University in Cambridge, Massachusetts. Her work has focused on the 19th and 20th century European novel. Literary theory, 20th century women philosophers who wrote either literature or about literature, and French literature written during World War II. She has degrees from Stanford University and from Harvard. Her recent publications have focused on La débâcle vue par Simone Veil, and the other one, which sounds very intriguing, Les Américains et la bonne chair, ce que pour eux manger veut dire. But today she's going to talk about la Révolution française. Alors, vous m'entendez tous bien? Un peu plus? Ok, bien, merci. La Révolution française fut tout aussi contestée lors de son 150e en 1939, qu'elle ne le fut l'année de son centenaire en 1889. En 1889, la Nouvelle République et sa légitimité étaient en cause, menacées par des forces intérieures, surtout par le boulangisme. En 1939, bien que ce soit un fait établi, la République était assiégée de l'intérieur par des divisions politiques et de l'extérieur par la menace de guerre. La commémoration a suscité ce que François Furet appelle la hantise des origines. Elle demandait que l'on discute et réfléchisse sur l'origine vraie de la France, dont dépendait l'identité des Français. Cet anniversaire amenait les Français à confronter un présent peu encourageant, aussi bien qu'un futur plus qu'incertain. Toute une gamme d'œuvres sont apparues pour marquer le 150e, écrites par des historiens, des hommes politiques, des écrivains de livres destinés au grand public. Tout au long de l'année 39, les hebdomadaires et les revues ont dédié des articles aussi bien que des numéros entiers à la Révolution. Le gouvernement et les partis politiques ont essayé de préparer les Français pour cette commémoration grâce à des spectacles commémoratifs et des discours. Nous nous proposons de considérer ces textes variés afin de comprendre quel miroir ils offraient aux Français et à quel degré ils reflétaient leur image. En 1939, si 1939 donnait la possibilité d'affirmer l'unité française, l'année par contre a révélé combien cette unité était lézardée. Chaque parti, chaque secteur, fêtant une révolution différente. Ce que tous partageaient néanmoins était le fait que malgré leurs vues politiques divergentes, ils posaient la révolution au cœur de l'année 1939 et voyaient cet événement à travers les préoccupations du présent. Simone Veil s'engage dans cette discussion surtout dans les articles « Réflexions en vue d'un bilan » et « Quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme », écrits tous les deux pendant l'année du 150e. Sans répondre directement aux activités commémoratives, ces articles reflètent une attention affûtée portée à ces débats et un rejet total de son thème principal, le triomphalisme de la France, matrice de la liberté. À un extrême du continuum de réponse à la Révolution se situe la droite fasciste, représentée par « Je suis partout »
et ses collaborateurs. Jeu de mots. Pendant toute l'année 1939, cet hebdomadaire sonnait le tocsin contre la Révolution et sa commémoration, réunissant ses gardes d'attaque tels Pierre Gaxot, Lucien Robatet et Robert Brasillach. Une attaque contre la Révolution, événement clé de la sainte histoire de la Troisième République, représente un coup contre la République détestée. L'affirmation de Clémenceau que la Révolution est un bloc, que l'on ne peut pas séparer ses excès de ses réussites, est acceptée avec jubilation par les journalistes de la droite et se sert de point de départ pour beaucoup de ses traitements. Dans un article, Gaxot noircit la Révolution en bloc tout en s'en prenant à ses insuffisances dans le détail. Je cite, « La Révolution sans massacre, sans guillotine, sans proscription, sans pillage, ce n'est pas la Révolution. » Pour lui et pour d'autres, la Révolution équivaut à ses excès. Pour désacraliser cet événement clé, ce groupe essaie de saper ses bases, parmi lesquelles figurent les grands ancêtres. Gaxot les rejette comme un groupe de, je cite, « grands seigneurs absurdes, illuminés, déficients, médiocres fricoteurs ». Les grands ancêtres sont aussi malmenés pour leur corruption. Brasillach détaille l'effondrement de la Compagnie des Indes et implique pas mal de ses grands ancêtres dans cette débâcle. Mais il se tourne aussitôt vers le présent et les scandales de la Troisième République. Je cite, « Nos maîtres d'aujourd'hui, nos Danton, nos Chabot, nos Fabre d'Églantine devraient songer qu'après nos tarifs d'influence, nos spéculations, nos scandales, ils finiront bien par faire échouer aussi la République. Si ces écrivains ont tous un œil sur la Révolution, l'autre est implacablement fixé sur le présent et la Troisième République. Et l'escroquerie n'est pas le moindre défaut des révolutionnaires. Plus grave encore est l'accusation que les hommes de 92 ont cherché la guerre pour affirmer la Révolution, afin de détourner le regard du peuple d'une révolution en faillite, on a inventé un ennemi extérieur. Je cite, « Pour imposer la Révolution, il fallait la guerre. » L'hebdomadaire et ceux pour lesquels il parle accusent ainsi le gouvernement de Daladier de lancer la France dans une guerre évitable pour assurer la survie de la République. Il se reporte sur la Révolution pour ternir et la Révolution et la Troisième République. Et la droite n'est pas seule à lancer une attaque contre la mise en œuvre du programme de la Révolution. La gauche faisait de même dans des collections de documents historiques, des recueils d'articles et des quotidiens tels Le Populaire, le journal du Parti communiste. Dans le livre 1789 en 1 de la Révolution, l'historien Albert Soboul a collectionné un grand nombre de documents historiques et offre un encadrement idéologique à ce recueil. Au début, il loue l'énergie des révolutionnaires bourgeois et dénigre le système qu'ils ont déplacé. Une idéologie dépassée, un système politique archaïque et inefficace, étayé par une classe sociale parasitaire. À la fin, il érige une liste des progrès permanents amenés par la Révolution. Et je cite, « Les individus ne sont plus déterminés par la classe où ils naissent, les distinctions fondées sur la naissance étant abolies. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
il ne peut y avoir d'autres différences entre eux que celles résultant de leur don naturel et de l'utilité commune. Et l'énumération continue sur toute une page. Mais la révolution ne sort pas indemne de son texte. Soboul, comme d'autres à gauche, qualifie la révolution de bourgeoise à cause des avantages conférés à cette classe au détriment des autres. Le Populaire du 14 juillet 1939 raconte cette journée glorieuse de 1789. Le journaliste rappelle au lecteur que, malgré les réticences possibles envers les événements de ce jour-là, la violence était nécessaire. Je cite, « Le peuple soulevé met fin en quelques heures à une oppression de 10 siècles, car c'est le peuple qui a tout fait. La bourgeoisie resta à l'hôtel de ville, économe de son sang comme de son argent. » Pourtant, la classe laborieuse, malgré son héroïsme ce jour-là, est sortie de la révolution moins avantagée que la bourgeoisie. Le système économique et politique du présent prolonge les inégalités de la révolution. Selon Soboul, c'est la révolution qui a posé la pierre angulaire pour le présent, le bien et le mal. Mais, en fin de compte, les représentants de la gauche sont certains qu'elle a posé également la pierre angulaire pour l'avenir. Je cite, « La révolution, précipitant son cours, peut préparer aux peuples anxieux les lendemains nouveaux. » Saboul ici garde l'œil braqué sur l'avenir, où un autre ébranlement renversera un système qui favorise certains au détriment des autres. Dans un choix d'articles collectionnés dans un numéro spécial des Cahiers du bolchevisme, les communistes comme les socialistes mettent en relief l'importance des événements clés de la révolution, même les événements sanglants, où les classes laborieuses tenaient les rôles principaux. Je vais citer, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'il dit parce qu'il vise vraiment le présent et le gouvernement de Daladier. Aujourd'hui, dit-il, se développe la théorie suivante. Quand le pays est menacé, on ne donne pas la parole au peuple, on met en sommet le Parlement, on multiplie les entraves du droit de réunion. En ces années, 1789 à 1794, au cours desquelles des frontières étaient enfoncées, les Jacobins ont pensé qu'il n'y avait pas de salut en dehors du contact avec les masses populaires. C'est pour cette raison qu'ils ont sauvé à la fois la France et la démocratie. Il vise directement ici, comme j'ai dit, le gouvernement de Daladier. En avril 1938, le président a fait voter une loi des pleins pouvoirs dans le but de fortifier l'économie et la défense nationale. Le résultat le plus important de ces décrets-lois qui suivirent fut la quasi-nullification des lois sociales du Front populaire concernant les heures de travail et le droit à la grève. Il incombe au gouvernement de prendre en charge la représentation de l'encadrement de la Révolution pendant cette année de jubilé. Édouard Herriot, ancien président du Conseil, et Édouard Daladier, président du Conseil en 1939, sont parmi les porte-paroles les plus importants de la commémoration. Dans le monographe « Aux sources de la liberté », Herriot décrit la France en 1939 comme « l'héritière directe de la Révolution » et la Révolution comme « héritière directe des Lumières ». Pour lui, les origines de la Révolution remontent aux idées philosophiques et politiques de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu,
qui figurent dans son texte comme les précurseurs des révolutionnaires. Et à la différence de Clemenceau, Herriot réfute l'affirmation que la révolution est un bloc. Dans la révolution, selon lui, la terreur, le meurtre des gens gardes du roi sont rien en comparaison avec ses réussites. Il trouve la vraie révolution dans ses suites nobles, les droits octroyés aux juifs et aux hommes de couleur, le système d'éducation, l'armée citoyenne, le renoncement aux guerres d'annexation. Ses idéaux, malgré les défaites militaires des armées de Napoléon et de Louis-Napoléon, sont sortis vainqueurs. Et je cite, « Victorieux jusque dans leur défaite, les Français gagnèrent à leurs idées les nations mêmes qui s'étaient révoltées contre leur domination. » Et les cérémonies officielles pour marquer cet anniversaire en disent long sur le point de vue du gouvernement. Trois moments importants ont été célébrés par trois cérémonies différentes, dont celle du 14 juillet était bien évidemment la plus importante. Cette fête a ressemblé à beaucoup d'autres, mais il y avait en plus des troupes françaises, un grand nombre de soldats venus de partout dans le défilé. Des spahis algériens, des Marocains, des Sénégalais, des Indochinois, un contingent impressionnant de soldats anglais. Bien sûr, une marque d'amitié et de respect entre la France et son empire et ses alliés, mais même plus important, une démonstration de force militaire. Il n'est pas étonnant que le gouvernement affichât cette force. D'autres articles à la une des journaux de ce jour-ci ont traité la situation à Danzig, aussi que l'accord économique entre Ciano et Franco. On voyait se resserrer l'étau fasciste. Et dans son discours, Daladier renie les excès de la terreur, mais en même temps les appelle nécessaires à la survie de la France. Il a dit « Cette révolution sut ensanglanter notre sol, profaner nos valeurs spirituelles et tout à la fois libérer le territoire, sauver l'unité de la patrie. » Il fallait avant tout repousser l'envahisseur. On peut conclure que ce que valait en 1792 vaut en 1939. Il y a des moments où des excès sont nécessaires. Daladier a dû profaner les valeurs républicaines, mais dans un but plus important. Sa révolution à lui, à ce moment solennel, est celle de 1792, la France menacée. Alors, cette année du jubilé 39 verra, comme on le sait, l'avènement de la guerre qui finira dans la débâcle. Après 40, pendant l'occupation, on reprendra ce débat sur le récit historique français à la lumière de la défaite de la France par les forces des pouvoirs fascistes. Comme l'a dit Pascal Horry, le désastre de la France en 1940 a posé à nouveau, sous la lumière la plus pure, la question de la Révolution française. On a pu obtenir la capitulation de la nation qu'en agissant en premier lieu contre le patrimoine idéologique de la Grande Révolution. Les adversaires, les lignes de bataille, les points principaux du débat sont déjà donnés lors de la commémoration et continueront après la défaite avec encore plus de véhémence. Alors, pour si bonne veille.
la discussion de la Révolution parlée dans ses articles de 39 va en majorité à contre-courant de celle de ses contemporains, ce qui ne surprend pas. Tout d'abord, elle ne traite pas la Révolution comme l'événement fondateur de la France moderne, mais plutôt un moment significatif dans un développement qui l'a précédé et dont elle ne fait que partie. Deuxièmement, elle renie le récit triomphaliste soutenu par d'autres. La liberté n'est pas le fil conducteur de l'histoire française, loin s'en faut. V insère beaucoup de ses objections dans un passage de quelques réflexions sur l'hitlérisme, et je vais lire, c'est un texte connu de tous, mais important. On prétend que Napoléon a propagé les armes à la main les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française. Mais ce qu'il a principalement propagé, c'est l'idée de l'État centralisé. L'État, comme ainsi conçu, inventé pour ainsi dire par Richelieu, conduit à un point plus haut de la perfection par Louis XIV, à un point plus haut encore par la Révolution, puis par Napoléon, a trouvé aujourd'hui sa forme suprême en Allemagne. Ce seul paragraphe requiert une analyse approfondie. Tout d'abord, la Révolution ne représente pas la matrice de la France actuelle. Si Herriot peut repousser les origines de la Révolution d'une cinquantaine d'années jusqu'à l'âge des Lumières, V les repousse de 100 ans de plus, jusqu'au règne de Richelieu. Au lieu d'être une matrice, la Révolution existe dans un continuum déjà établi. Elle avance seulement ce que d'autres ont commencé. Et ces autres ne sont pas les illuminés. Dans ces deux articles écrits au cours de 39, V ne cite le nom d'aucun grand ancêtre, d'aucun moment révolutionnaire fondateur, mais assimile toute la Révolution à la personne de Napoléon, qui a continué et achevé le projet révolutionnaire. Ailleurs, dans les deux articles de 39, elle omet presque le nom « Révolution », tout en répétant ceux de Richelieu, Louis XIV, Napoléon. Ces trois figures constituent les nouveaux « grands ancêtres » du récit historique de V. Le fait qu'elle appuie sa version du récit sur ces trois noms démontre l'écart entre sa version de et celle de l'histoire sacrée républicaine, vantée et célébrée pendant toute l'année de jubilé. Elle représente son effort à la contrecarrer. Au lieu d'un récit qui met en valeur, dans les mots de Pierre Azéma, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la fin des privilèges, l'avènement du peuple et le soulèvement du peuple contre la coalition des despotes, dans le récit proposé par V. Pardon, excusez-moi. dans le récit proposé par V. L'avènement de Richelieu aboutit à Louis XIV, qui aboutit à la Révolution, qui aboutit à Napoléon, qui aboutit à Hitler. V transforme le récit triomphaliste répandu par le jubilé en une machine infernale. Le miroir offert aux Français pour se reconnaître leur rend une image de cauchemar qui finit par Hitler. V ne fait pas de différence entre la monarchie sous Richelieu et la Révolution. Toutes les deux ont étendu, affirmé, solidifié le pouvoir de l'État. Toutes les deux ont avancé une mission de centralisation.
Et si Herriot peut proclamer l'ultime victoire de la Révolution dans la propagation de la liberté, V comprend trop bien que cela a été accompli au fil des épées des armées napoléoniennes. V s'éloigne des idées du gouvernement et de celles de la gauche dans son refus de l'affirmation que la France représente pour le monde entier la liberté. Je cite, « Il faut que la France apparaisse à ses propres citoyens et au monde comme une source perpétuellement jaillissante de liberté. Il ne faudrait pas que dans le monde, un seul homme sincèrement amoureux de liberté pût se croire des raisons légitimes pour haïr la France. » Il faudrait que tous les hommes sérieux qui aiment la liberté soient heureux que la France existe. Nous croyons qu'il en est ainsi, mais c'est une erreur. Il dépend de nous qu'il en soit désormais ainsi. V insiste que la certitude que la France représente une source de liberté est une erreur. La répétition de « il faut » pose ce rôle comme étant un devoir, un impératif moral donné aux Français, non pas comme un acquis. Pendant cette même période, elle a écrit un nombre d'articles sur le colonialisme. Elle sait trop bien qu'il y a ceux qui ont de bonnes raisons pour haïr la France. Si l'on veut, le récit historique français n'est pas du tout un projet terminé, n'est même pas un projet qu'on peut bâtir sur un modèle déjà établi, mais un projet à façonner sans modèle dans un avenir où les Français accepteront de l'engager. Ce moment représente une étape significative. On voit reflété dans ces articles les débats qui ont eu lieu en 1939 sur la mission française, sur les idéaux que la France représente dans le monde, sur les héros de son histoire. On y voit également le malaise de V en face du triomphalisme au cœur de toutes ces discussions. Ces affirmations sont vides et ces deux articles représentent la première esquisse d'une réponse, non pas seulement pour contrecarrer cette construction mentale, mais également pour en imaginer une de plus ambitieuse, de plus vraie, et pour proposer un impératif de plus grande envergure qui verra le jour 4 ans plus tard dans l'enracinement, de refaire l'âme d'un pays. Merci. Merci pour ta conférence. Et je te demanderai de revenir sur l'importance de la loi Deladier, parce que de la loi de Deladier. Deladier, oui, parce que je pense que c'est un moment très important, parce que en effet, pour elle, devoir être traité un événement qui a remis en discussion toute la politique français, et ce n'est pas un hasard qu'elle réfléchit à partir de cela sur la différence, par exemple, entre légitimité et légalité. Et c'est bien important en relation aussi à la Révolution française, bien sûr. Merci. Alors, ce sont vraiment les partis de gauche qui ont parlé de ça pendant l'année 1939. Et spécialement, on sait que quand septembre, Daladier a rendu illégal le Parti communiste, alors même après toutes ces cérémonies, il est allé dans cette direction, dans ce sens de légiférer par loi-décret. Et
c'était spécialement important pour les communistes parce que pendant le vote en 38 pour accepter ces lois par décret, les communistes se sont abstenus complètement de voter. Alors eux, ils représentent la résistance à ces lois. Et c'est tout ce que je... elle ne parle pas directement de ça dans ses articles, si je me souviens bien. Mais bien sûr que ça sous-tend tout ce qu'elle écrit en ce moment. Merci. Je le pose en anglais, si ce n'est pas un problème. Thank you for the talk. I have actually a more general question about her idea of history, or historicism rather. The way that you presented her make her seem like a very sort of longue durée sort of historical thinker, thinking in great eons and epochs. The revolution, like the Tocquevillian idea of how revolution already began in the 17th century, in the durational, epochal, social and intellectual process and so on. Like Richelieu, the revolution begins in the Bourbons. I think this is a very valid way to see it. Definitely, you're a much better expert on this than I am. But when I'm reading her, I think there is an important nuance there, which is the idea of analogies, historical analogies, which is there is strong overlap, but there are also some important differences. For example, when she's speaking about the Third Reich, and she's comparing it, she's always thinking in comparison of analogies. Hitler is like Rome. The socialist movement is like Occitania or whatever. Things are like other things. It's a very particular idea of history, which is represented by. Usually by pretty obscure historians, people like Balanche, who no one reads anymore at all. Longue durée is a very sort of mainstream idea in France, like Peggy is a sort of longue durée thinker. But the idea of historical analogies is a quasi-mystical idea, which begins with the counter-revolution and extends to the 19th century. And this, I think she fits much better in this type of tradition, even though I don't know how much she's inspired by it directly, but maybe it's something in the rhetoric or style of articulation or something like that. I was wondering, what do you think about this speculation? So I would say, for me, this kind of frightful, nightmarish counter narrative that she produces for France, Richelieu to Napoleon to Hitler, I think it is more kind of a shock therapy than it is something that she would rest on as what she considers the French history. What you have to do is shake the French away and remove from them this triumphalist narrative. And you can do that by the shock of saying, this is what you think you're doing. You're representing liberty to all of the people of the world. You invented it. But instead, what you should see when you look in the mirror is Hitler. So it's a way of shocking them out of letting go of this false narrative. And I think when you say she thinks in terms of eons, I think that's absolutely right. She So the government, Hériot and Daladier, were thinking very much of the next month, what was going to happen, in September. The communists and the socialists were thinking about this revolution to come in 2 or 3 years. I think someone said, and maybe we'll get in 1947 Russian revolution from 17. She's thinking in eons, because to change this narrative, as you say, not eons, but for this project will take years if the French decide to take it on. You're right that she's thinking in a much longer durée than the durée of the others that are talking about the revolution, French history, at the same time she is. So I have a question which is maybe somewhat superficial, but in a way continues Danielle's question. So, okay. So I think Danielle mentioned that the Tocqueville and this idea that I think is common also in the L'Ancien Régime et la Révolution, that actually the
you know, what we see in the revolution started already with Richelieu, the central state tax collection centrally and so forth. So the superficial comes with continuing with de Tocqueville with democracy in America, where he's fascinated by this audacious young state and nation, or but still wonders whether it has, okay, we could ask maybe in Vieillian terms, whether it has enough roots, okay? So does this Tocquevillian longue durée, does it has implications to your mind for, you know, for America also for these days? Yes, I do. I think we're in a similar situation. Jane can talk about this as well. I think we're in a similar situation in the United States. We talk about our exceptionalism and being the one indispensable country in the world. And we've talked about that. And people as positive as Barack Obama have used those terms recently as 2016. I think the last election and what government we have now, where we're showing a very different face to the world, and some people might even tell us, you're not showing a different face to the world, you're just showing the face that you already had, and it's coming clear now. So I think we're at a moment where we're questioning the same thing. What about this narrative that we've given ourselves and we've created our identity around? What's happening now? And particularly since there are other alternative narratives that are coming up, alternative narratives about, you know, not freedom and liberty and, welcoming of immigrants as being the center of our mission, but, at the center of our history is enslavement of African Americans. And if I might read just a very quick quote from Ta-Nehisi Coates, who's one of our more important public intellectuals now. So he's saying, you must resist the common urge toward the comforting narrative of divine law, toward fairy tales. And when he says you, he's talking to the United States. Toward fairy tales that imply some irrepressible justice. The enslaved were not bricks in your road, and their lives were not chapters in your redemptive history. They were people turned to fuel for the American machine. And this whole idea, well, what Simone Weil says, the soldiers in World War I were turned into cannon fodder. He's saying the same about African Americans. They were turned into fuel for what we developed. So this is a very different counter narrative, which brings into question all of what the Americans hold more precious about their narrative. So, how can we have respect for our grands ancêtres are the founding fathers. And what we're finding out about so many of the founding fathers and always knew were they were slaveholders. And just one horrifying story that I just heard was George Washington made his false teeth by pulling the teeth from slaves and to put them into his false teeth. This is just kind of a material suggestion about one of our most revered founding fathers. What new history can we create, can we fashion that takes into account this truth, but also can be something that we can find uplifting rather than just discouraging. So I think we're in very much the same situation now. We're going to have to find our own way.